Bonjour à tous. Donc, nous avons fait un schéma de la bascule des maîtres-esclaves. Alors, je sais que ce n'est pas facile à expliquer, mais si vous avez bien suivi notre vidéo, ce que je regarde sur YouTube, donc la vidéo 129 exactement. Donc, la pratique digitale bascule RS avec commande de validation. Donc, la commande de validation se trouve au niveau de PO. C'est lui qui va commander la partie esclave, exactement. Toute la partie esclave. Donc, si on part SW0 à partir de la position 1, parce qu'il faut bien partir par quelque chose, hein. Donc, de la position 1. Il y a donc là, je vous ai marqué maître, et de l'autre côté, vous avez esclave. Alors, je vais donc reprendre donc, la bascule RS. Là, vous avez donc les deux circuits Nantes, c'est la bascule RS. Et vous avez ici deux circuits Nantes qui commandent la bascule RS grâce aux inverseurs et grâce au bouton P0 enfoncé. C'est-à-dire, on envoie une impulsion positive, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo 129. Enfin, donc la vidéo numérotée 129. Vous le trouverez donc sur YouTube. Ici, donc, SW0 est égal à 1, donc on se retrouve 1 à la comment dire, du premier circuit NAND. On se retrouve à la branche 12, un 1 logique du circuit maître. À chaque fois, donc il va falloir que je prononce maître à chaque fois. Donc A, B. B, nous avons bien 1, puisque nous n'avons pas appuyé sur le bouton 0. Donc P0, je veux dire, donc nous avons 1, nous avons 0 à l'entrée, en sortie, nous avons 1 de l'inverseur et à l'entrée du premier circuit non maître, nous avons un 1. En sortie, nous avons automatiquement, il suffit de regarder sur la table de vérité du circuit non, nous avons un 1 égal à 0 en sortie. À partir de là, nous avons 0 à la branche 1 du circuit RS. Du premier, enfin du maître, donc disons. À partir de la bascule RS, on sait très bien que Q bar est égal à 0, comme je vous l'ai déjà expliqué. L'intention de référence se trouve toujours à Q. Hein, Q doit être un 1 dès le départ. S'il n'est pas un 1 dès le départ, rien ne fonctionne. Ce que l'on appelle tension de référence. Je tiens à dire Q égale tension de référence. Vous devez avoir 1 en sortie de la bascule RS du maître. Ça, je tiens à le signaler au passage. Donc, nous avons bien 0,0 à l'entrée du premier NAND du circuit maître et nous avons en sortie 1. La LED L0 s'allume. Par conséquent, lorsque la LED L0 s'allume, nous avons 1 à l'entrée du deuxième circuit NAND, hein, puisque L0 se trouve au niveau haut. Nous avons donc au deuxième circuit NAND, à la brosse 4, le numéro 1, donc la logique 1, si vous préférez. Ensuite, sur le deuxième inverseur, vu que nous étions sur la position 1, en sortie, nous avons 0 de l'inverseur. Puisque à l'entrée, nous avons 1, en sortie, nous avons 0 de l'inverseur. Lorsque nous avons 0 à la sortie de l'inverseur, du premier circuit de commande du circuit maître, nous avons 1
1 et 6, et nous avons 1, 0, 6. Bon. Vu qu'on a 1, 1, on a automatiquement 0 en sortie du circuit, du premier circuit maître. Non, exactement. Donc nous avons 0 ici et on se retrouve sur la bascule RS 0. Sur le deuxième circuit normand, toujours du circuit maître, nous avons 1 ici, puisque on n'a pas appuyé sur le bouton P0. Nous avons 1. Ici, on a mis donc SW0 sur la position 1. Donc, à l'entrée du deuxième inverseur, nous avons 1. En sortie de l'inverseur, nous avons 0. Et à l'entrée du deuxième circuit NAND, on se retrouve 1, 0. Il suffit de regarder sur la table de vérité, que j'ai mis d'ailleurs à côté de mon schéma. Vous avez donc 1, 0. En sortie, on se retrouve 1. À la bascule RS du maître, je tiens à signaler du maître. Hein, et nous avons 0. 0, 0. En sortie, nous avons 1, la LED L0 s'allume, ce qui est tout à fait normal. Jusqu'à présent, puisque Q, c'est la tension de référence. Hein. Je répète, tension de référence égale Q. Q bar doit être à 0, ça c'est obligatoire, dès que vous alimentez le circuit. Donc, on se retrouve 0, 0 à l'entrée et 1 en sortie du premier circuit NAND. Le deuxième circuit NAND, toujours du circuit maître, 1, 1 à l'entrée, donc à l'entrée A est égal à 1, à l'entrée B est égal à 1. En sortie, nous avons 0 du deuxième circuit NAND. Donc il suffit de regarder sur la table de vérité, hein, donc A et B, vous voyez donc 1. 1 est égal 0. Nous avons bien 0 en sortie, Q bar. Q bar est égal à 0. Comme je vous l'ai déjà dit, Q bar doit être à 0. Et Q, c'est la tension de référence ici, donc à la brosse 3, il doit être à 1. S'il n'est pas à 1, ça veut dire rien ne fonctionne, parce que nous ne sommes pas repartis par le circuit de référence, si vous préférez. Donc, il faut qu'il y ait une tension de référence à la brosse 3. Il faut que la brosse 3 soit en position L0 allumée. Donc, 1 ici. Donc, puisque L0 est allumé, nous avons 1 en sortie. À l'entrée maintenant du circuit, des deux circuits NAND esclaves. Je parle bien esclave. Nous avons 1 à l'entrée A. À l'entrée B, nous avons 0. Ce fil-là vous ramène directement sur le P0, le front montant, pour une impulsion positive. Et là, vu qu'on n'a pas appuyé sur le bouton P0, la sortie du premier inverseur. Oui, de premier inverseur se trouve à 1 et de deuxième inverseur se trouve à 0, comme je l'avais dit. Mais sur le P0, on n'a pas appuyé sur le bouton, c'est systématiquement sur les deux circuits NAND de la partie esclave se trouve à 0, ces deux fils-là. Donc A, 0, B, oui, B, 0. En sortie, vu qu'on a 1, 0. En sortie. 1, 0. Il suffit de regarder sur la table de vérité du circuit NAND. 1, 0 correspond à 1 du circuit de commande esclave. À l'entrée A du deuxième circuit NAND, nous avons. Donc, à l'entrée B, nous avons 1. Ici, nous avons 1 en sortie du circuit
de commande, NAND, exactement. Donc, nous avons un en sortie et l'autre, nous avons un en sortie. Ce qui permet d'avoir sur la bascule RS de mettre esclave, donc dans la partie esclave. Ici, vous avez 1, donc A est égal à 1, B est égal à 1, puisque Q bar doit être à 1 dès le départ. À 1 ici. En sortie, N1, nous avons 0. N1 est éteinte, puisque nous n'avons pas transmis l'information vers l'esclave. Donc, N1 est 0, est à 0. Alors, donc, vu que L1 est à 0, donc sur l'entrée A, le deuxième circuit NAND est à 0. Ici, nous avons donc en sortie de la commande, la logique du code binaire 1, et à l'entrée de la bascule RS, donc à l'entrée B, nous avons 1. En sortie, nous avons 1 automatiquement. Et à l'entrée, nous avons 1. On se retrouve à la bascule RS du circuit esclave. On se retrouve avec l'entrée A 1, l'entrée B 1 est égale à 0. Il faut regarder sur la table de vérité, 1 est égal à 0. Il suffit de bien connaître la table de vérité du circuit NAND. Enfin, quelle que soit l'étape de vérité, il faut bien les connaître. Q est égal à L1 égale à 0. Si L1 est égal à 0, Q bar, il se trouve à l'inverse de 0, donc 1 exactement. Donc Q bar, c'est la complémentation par rapport à Q. Donc, je répète, Q bar, le trait au-dessus du Q, de la lettre Q, se trouve à 0, puisque Q bar est déjà à 1. Ça veut dire, en d'autres termes, que la bascule est à l'état 1, si vous préférez. Vu que la bascule est à l'état 1 et que la tension de référence est égale à 0, donc, en sortie, nous avons bien Q bar égale à 1. Voilà donc le principe. Je vous ai fait donc uniquement que ce principe-là, donc uniquement que SW0 en position 1 pour que vous puissiez bien comprendre le processus. Alors, le processus du circuit maître, comme le nom l'indique. Le circuit maître doit transmettre les informations au circuit esclave. Ils doivent transmettre soit l'information, le code binaire 1, enfin le code binaire 1, ou la position 1, si vous préférez, de l'interrupteur inverseur SW01, il doit transmettre cette information-là, donc le chiffre 1, vers l'esclave. Donc, nous avons bien 01 est égal à 1. Et cette LED doit s'allumer. Et là, ce n'est pas le cas, donc c'est uniquement que la position maître, que ces quatre circuits NAND, y compris les deux inverseurs, qu'ils fonctionnent pour l'instant, puisque LO est allumé. Mais si vous suivez cette ligne-là, qui indique c'est P0, vous voyez que la partie esclave est bloquée, se trouve à l'état 1. Q bar est égal à 1 et Q est égal, N1 est égal à 0. Je vous invite à retenir la table de vérité du circuit NAND. Parce que je sais que ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que là, il n'y avait qu'une seule combinaison. Je n'ai pas appuyé sur le bouton P0 pour l'instant. Alors, P0, si on appuie sur le bouton P0, ça veut dire que sur le circuit maître, on va transférer
le code binaire ici, soit 1 ou soit 0. Le 0 sera transféré également. Je tiens à le signaler au passage. Le 0 est transféré également, y compris le code binaire 1. La logique 1 et la logique 0 sont tous les deux transférés du circuit maître selon la position de l'interrupteur. Il faut bien se rendre compte à l'évidence que le circuit maître commande la partie esclave. Ce sont deux bascules que vous avez déjà étudiées dans la vidéo 129. Ce sont deux bascules RSC, si vous préférez. RSC. Et si c'est simple à retenir, RS là pour ces deux circuits normes et C ici pour ces deux circuits normes qui commandent la bascule RS. Il faut bien retenir cela. La bascule RS ici, donc la première bascule RS du circuit maître, c'est pareil, vous avez donc les deux circuits normes, donc les deux circuits de commande qui permettent de commander la bascule RS. Tout en appuyant sur le bouton P0, c'est systématiquement ici. À l'entrée, vous avez 1, mais en sortie de l'inverseur, vous avez 0. Donc, systématiquement, donc L0, donc, elle va s'éteindre et L1, elle va s'allumer. C'est systématiquement. Selon la position de l'interrupteur. Hein. Donc, je répète, selon la position de l'interrupteur, si SW0, et donc je regarde voir si moi c'est ma Miami, voilà. Donc, si SW0 est en position 1, le maître fonctionne, mais l'esclave se trouve bloqué. Ça veut dire que L0 est égal, Q est égal à L0 est égal à 1. Donc L0 s'allume. Quand L0 s'allume, ça veut dire que la partie maître fonctionne. Tandis que Q est égal à L1 est égal à 0, la partie esclave est bloquée, est isolée par rapport au circuit maître. Voilà, donc c'est pourquoi que nous avons mis deux inverseurs pour pouvoir isoler la partie esclave par rapport à la partie maître. Donc je répète, maître, comme le nom l'indique, permet de transférer les informations qui se trouvent à l'intérieur du circuit maître pour la transférer vers la partie esclave. Et là, donc, la sortie esclave, c'est la sortie. L1, si elle s'allume, elle se trouve à l'état 0. À l'état 0, juste, ce que je dis là bien. Donc, si L1 s'allume, ça veut dire que la partie maître a bien transféré le code binaire 1 qui se trouvait donc au plus du circuit d'alimentation en position 1. Donc, du circuit maître, on a bien transféré la logique 1 à L1. Donc L1 sera donc allumé, c'est-à-dire au niveau haut, au niveau 1. Donc N1 sera à 1 allumé et Q bar dans ce cas-là sera donc automatiquement à 0. Hein. Comme je l'ai toujours dit, Q bar est l'inversion de Q. Voilà donc le principe. Maintenant, bon, bah, les ports remis, bon, bah, tout ce qui est parti, vous verrez sur le schéma, tout ce qui est parti gris, vous verrez que ce sont les codes binaires. Ici, donc, nous avons mis, bien sûr, comment dire, les brosses, hein, donc 12, 13, 10 et 9, la brosse 9, 8 en sortie, 7, 11, excusez-moi, 11 en sortie du circuit maître, hein, la bascule RS que vous connaissez déjà,
Ici, donc, les deux circuits NAND et la bascule RS du circuit esclave, c'est la sortie. Et N1 doit s'allumer en fonction de la position 1. Et en fonction de si on appuie donc sur P0, on transfère le SW0 à la position 1 ou la position 0. Si elle se trouve à la position 0, on va transmettre, en appuyant sur P0, on va transmettre la position 0 directement ici. Directement ici. Soit que la LED L0 va s'allumer ici, indiquant que c'est uniquement que la partie maître qui fonctionne et que la partie esclave ne fonctionne pas, est isolée, je le répète, isolée par rapport au circuit maître. Je le répète, c'est pourquoi que nous avons mis deux inverseurs. À cause de ça, c'est pour pouvoir isoler du circuit maître par rapport à l'esclave. Il ne faut pas que les deux, par exemple, les deux entrées soient au même niveau que là, au même niveau que l'esclave, c'est-à-dire en position maître. Donc là, nous avons bien 2-1, donc la première NAND, et la deuxième NAND, nous avons 1. Donc 1-0, donc nous avons bien 1 en sortie, et nous avons 0 aussi. Mais ici, il faut que ça soit l'inverse, ici. Au deuxième commande du circuit esclave. Donc de deuxième circuit, non, au deuxième esclave. Il faut qu'il soit 1. À partir de l'esclave, donc lui-même, il est donc isolé par rapport à la partie maître, donc deux circuits maîtres. Donc c'est pas tellement évident à comprendre, mais il faut que vous fassiez cet exercice-là. Si vous avez bien suivi nos leçons dès le départ, vous n'aurez pas de difficulté à comprendre ce principe-là. Là, donc, tout ce qui est parti code binaire que j'ai mis qu'une seule fois, parce que sinon, si j'avais mis d'autres combinaisons, on aurait eu des problèmes au niveau de la lecture du schéma, surtout. Donc là, j'ai mis exceptionnellement donc les codes binaires pour que vous puissiez vous rendre compte de vous-même. Donc, j'ai regardé, je pense pas que j'ai fait donc une erreur. Même s'il y a une petite erreur, c'est pas bien grave. Parce que il faut connaître le principe que maître, donc nous avons la bascule RS, donc je répète, la bascule RS, R reset et 7. Donc 7 pour mise à l'état 1 et reset mise à l'état 0 de la bascule RS. Nous avons deux NAND, donc qui commandent la partie RS, donc la bascule RS. Les deux inverseurs qui permettent donc de commander une fois donc les deux inverseurs du circuit NAND qui permettent donc d'inverser les fonctions logiques si vous préférez et que par rapport à B, voilà. Donc c'est pourquoi que nous avons donc inversé ici les fonctions logiques pour ne pas que ça fonctionne en même temps que la partie maître-esclave. En d'autres termes, donc esclave, comme je viens d'évoquer, esclave est la partie isolée par rapport au circuit maître. Voilà. Si cette LED L0 est allumée, ça veut dire que esclave est bloqué. Voilà. Et si N1 est allumée, ça veut dire tout simplement que SW0 est en position 1. Dans ce cas-là, N1 va s'allumer grâce au circuit maître qui va transférer cette information-là vers le circuit esclave, bien sûr, en appuyant sur le bouton P0 du front montant, impulsion positive, pour que le maître puisse transférer l'information à l'esclave. Et la LED N1 s'allume dans ce cas-là.
Si vous relâchez le bouton P0, N1 restera allumé. Il faut donc rebasculer l'interrupteur SW0 sur la position 0 et appuyer sur le bouton P0 pour transmettre l'information 0 à la partie esclave. C'est pourquoi que nous avons mis P0 ici pour commander la bascule RS. Soit que la bascule RS de l'esclave, soit qu'elle se trouve en position à l'état 0 ou à l'état 1. Soit que la LED N1 s'allume, soit qu'elle s'éteint. Voilà. Et LO, c'est exactement pareil. L0, c'est exactement pareil. Soit qu'elle s'allume ou soit qu'elle s'éteint. Si elle s'éteint, ça veut dire que la partie maître a transféré le code qui se trouve à SW0. C'est-à-dire que si nous avons en position 1, donc il va transférer donc la position 1. Donc la LED L0 va s'éteindre et c'est la LED N1 qui va s'allumer si l'interrupteur se trouve en position 1. Et vice-versa, si l'interrupteur se trouve en position 0, donc là, donc maître, il va transférer l'information, les informations que se trouvent sur l'interrupteur, tout en appuyant sur P0. Hein. Il faut savoir que P0, c'est le circuit de commande, qui commande donc toute la partie des bascules RS et de deux circuits de commande. À noter que les deux circuits RS, RSC, ces deux circuits sont montés en cascade, pratiquement, donc isolés, je me répète peut-être, mais isolés, donc l'esclave est isolé par rapport au circuit maître, je tiens à le préciser, hein, encore une fois, faut pas confondre le tout, hein, parce que je tiens que vous puissiez comprendre, hein, le principe, hein. Il faut que l'esclave soit isolé du maître. Voilà. C'est pourquoi que nous avons mis donc deux inverseurs de façon à inverser les fonctions logiques, si vous préférez. On verra ça au niveau des équations booléennes. On verra ça donc un peu plus tard. Pour l'instant, donc restons donc sur ce circuit-là. Donc, je vous ai expliqué approximative, donc deux circuits maîtres, hein, donc je répète, hein, comme le nom l'indique, hein, c'est le maître d'école, si vous préférez, qui transmet les informations dans la partie esclave, sur le circuit esclave. Donc, soit L1 est allumé ou soit L0 est éteint selon la position de l'interrupteur et à une seule condition, qu'on appuie bien sûr sur le bouton P0 du front montant, qu'on envoie impulsion positive pour commander donc les deux circuits NAND ici et qui commandent la bascule RS. Et la LED N1 s'allume ou elle s'éteint selon la position de SW0. Voilà donc que je vous ai expliqué là, donc grosso modo, puisque je n'ai pas fait toutes les combinaisons, hein, parce que sinon vous n'aurez pas compris. Et donc c'est à vous de faire l'essai et d'essayer au moins de comprendre. Hein. Il faut que vous fassiez l'essai au fur et à mesure et que vous soyez tenace. C'est ça, donc il faut qu'on soit tenace en électronique. Hein. Et en quelque sorte, il faut qu'on soit opiniâtre, hein. Donc avoir un esprit opiniâtre, entêté, si vous préférez. Donc il faut qu'on soit entêté, hein, pour pouvoir bien comprendre. Hein. Bon, vous passerez peut-être une journée, mais c'est préférable de passer une journée pour bien comprendre ce circuit-là. Mais bien sûr, donc il faut commencer par les autres circuits qui sont moins complexes que cela. Si vous commencez directement sur ce circuit-là, je crains que vous ne puissiez pas comprendre. Hein.
Voilà, donc il faut commencer par le bas niveau. C'est pour ça que je vous parlais de la vidéo 129 ou 100. C'est 129, je crois, que si j'ai une bonne mémoire, que je regarde. Ça s'est mis en veille. Bon, attendez. Donc, tac, que je fais mon code. Je crois que c'est la vidéo. Voilà. Donc, je crois que c'est la vidéo 829, c'est bien cela. Donc, je me trompais pas. Je me suis pas trompé. Voilà donc le principe de ce circuit-là. Hein. C'était peut-être un peu long à vous l'expliquer, mais c'est pas tellement évident. Il faut se mettre à ma place et vous verrez que c'est pas tellement évident à expliquer comme cela. Et c'est pourquoi que je comprends largement mes confrères qui ne vont pas dans les détails. Moi, je suis allé vraiment dans les détails, mais c'est pas tellement évident. Parce que là, j'ai fait uniquement qu'une combinaison. Je n'ai pas fait les deux combinaisons, c'est-à-dire la position 0 aussi. Je ne l'ai pas noté, j'ai uniquement noté que la position 1. Et je n'ai pas appuyé sur le bouton P0, c'est pourquoi que j'ai mis donc un P0 à 0. Voilà. Et pour que je puisse donc calculer donc les codes binaires. Qu'on verra donc d'après la table de vérité, non, ça, je tiens à le dire et à répéter, il faut connaître par cœur le circuit NAND, y compris le circuit et les tables de vérité, y compris les inverseurs. Mais les inverseurs, c'est facile, ça. Mais parce que c'est à partir de ces tables de vérité que vous comprendrez comment faire les branchements après. Et donc à partir aussi, bien sûr, des équations booléennes que j'en parlerai. Que j'en parlerai, excusez-moi, que j'en parlerai plus tard. Donc, rappelez-vous que, donc pour terminer, rappelez-vous que la partie esclave est isolée par rapport à maître, par rapport à la partie maître, je dirais. Donc, par rapport à la bascule maître. Voilà. Vous avez deux bascules. La bascule RS, les deux circuits de commande. Enfin, le circuit de commande qui commande la bascule RS de la partie maître, isolée par rapport à la partie esclave. Les deux commandes, ici, est commandée par le bouton P0, ces deux circuits-là, ces deux circuits NAND-là, qui commandent la bascule RS. Soit que N1 est allumé, soit que N1 est éteint. Maintenant, nous allons passer directement à la pratique pour observer le phénomène. Donc là, nous avons mis, donc là, nous allons mettre sous tension. Bon, là, donc le DisiLab est sous tension. Nous mettons N0, vous voyez, est allumé. C'est-à-dire que c'est le circuit maître. N0 est allumé, est à 1. Hein, si vous voyez bien, hein, est à 1. Bon. Maintenant, je vais transférer les informations. Vous voyez donc, L1 est allumé, N1 est allumé, et le circuit maître a bien transféré les informations à l'esclave. Donc le circuit maître reste bloqué. Donc LO est égal à 0 dans ce cas-là. Oui, L0 est égal à 0, c'est ce que je disais bien. Donc N1 est allumé. Hein. Donc Q bar ici, automatiquement, c'est à 0. Donc nous remettons avec SW0 de la position 0 vers la position 1. L0 s'allume et N1 reste allumé. Mais ils appuient. Attendez, donc il doit y avoir juste un petit mauvais contact.
Je regarde. Ouais, ok, donc c'est bon. Donc, voilà. Donc, dans la position 0 vers la position 1, N0 s'allume. J'appuie sur le bouton pour transférer vers l'esclave. L'esclave est allumé. Donc, ça, c'est maître. N0, c'est maître. N1, c'est esclave. J'éteins. La partie maître, donc je reprends mon schéma. La partie maître, donc N1, est allumée. N1 est allumé, c'est la partie esclave, excusez-moi. Donc c'est maître esclave, hein. Maître c'est 0, N0 et esclave c'est N1. Donc j'enclenche N0 et j'appuie sur N0. Donc, voilà, donc j'appuie donc sur le bouton P0. Vous voyez donc la partie maître a été bien désactivé, donc à l'état 0. Nous avons mis la partie maître à l'état 0 et la partie esclave à l'état 0. N1, 0, N0, 0. Donc là, c'est mentionné 1, mais ça c'est normal puisque je suis parti de la position 1. Donc ça c'est bon jusqu'à présent. Donc, si je rallume donc SW1, donc SW1 sur la position 1, comme je l'ai indiqué, donc L0 est allumé en position 1. Donc, la fonction maître fonctionne, mais la fonction esclave est isolée par rapport au circuit maître. Donc, en quelque sorte, la partie esclave est bloquée. Si maintenant que je mets, donc là je coupe la partie esclave, oui, la partie, non, c'est la partie maître, je m'embrouille, oui, donc la partie maître, donc elle est coupée, je transfère le, donc, voilà, donc la partie maître, donc la partie maître est à l'état 1, je vais transférer l'état 1 à l'autre LED. Je fais donc une impulsion positive et l'information est transférée. N1 est allumé. N1 est allumé ici. Voilà, donc on se retrouve, donc que je regarde dans mon viseur pour voir si je suis bien en face. Donc N1 est allumé. Voilà. Donc juste. Je reprends parce qu'il est resté trop allumé ou soit qu'il y a un mauvais contact, comme d'habitude. Oui, parce que là, ça n'a pas été facile à faire les branchements. Là, donc. Voilà. Ah, que j'allume, que je regarde pour voir si ça s'éteint. Ok. Donc, c'est bon. Donc, la bascule, comment dire, L0, donc, c'est maître. Hein, donc, L0, c'est maître. Et N1, c'est l'esclave. Donc, je vais transférer donc le code binaire 1 ici. Le code binaire 1 à L1, à la LED L1. Voilà. Donc, là, donc la LED L0 devrait s'éteindre et elle ne s'éteint pas. Donc, je recommence. Donc, la position donc L0, donc, pas pratique. Voilà. Donc, attendez. Voilà. Donc, elle est éteinte. Voilà, ah, bah, décidément. Bon, non, donc il a un mauvais contact. Mais parce que j'avais cassé une petite patte, donc j'ai mis un fil. Donc, mais je pense pas que ça vient de là. Donc, voilà. Donc, alors donc L0 allumé, donc c'est la partie esclave, donc esclave, donc c'est la sortie, non, c'est donc ça c'est maître, à chaque fois je me trompe, donc L0 maître, donc je vais transférer à l'esclave, la sortie à l'esclave, voilà, et j'éteins mon interrupteur de la position 1 vers la position 0.
la partie esclave est bien allumée, donc la partie maître est bloquée et la partie esclave est allumée. Donc L1 est en position 1. En position 1, donc la partie esclave fonctionne. C'est bien, donc il est bien transféré les informations en provenance de la bascule maître pour arriver vers l'esclave. En quelque sorte, il est transféré les informations en provenance du maître et de l'esclave. Il est transféré vers l'esclave. Donc L1 est allumé. Voilà. Donc le principe. Donc là, donc, ils allument. Il faut que vous voyez que SW0, c'est l'interrupteur qui se trouve ici. Quand on éteint, quand on passe de la position 0 à la position 1, ou la position 1 vers la position 0, et que la LED s'allume ou s'éteint, c'est ce circuit-là. C'est SW0. Voilà. C'est lui qui fait donc allumer L0. Voilà, donc soit qu'elle soit à l'état 1 ou soit qu'elle soit à l'état 0 en fonction de l'interrupteur, bien sûr. Si l'interrupteur se trouve en position 0, donc L0 sera en position 0. Si l'interrupteur se trouve en position 1, la position sera toujours donc à 1 automatiquement. La position donc à l'état 1 exactement. Et quand on appuie sur le bouton PO, c'est là qu'on transfère le code binaire ici, qui se trouve à l'état 1, donc le chiffre 1 se trouve à l'intérieur, on va le transférer à l'esclave, et la LED L1 s'allume, donc l'esclave s'allume dans ce cas-là. Voilà, comme là. Et donc, ça c'est la partie maître. Maintenant, je vais donc transférer l'information à condition que ça se bloque pas, parce que parfois, bon, ben, ça se bloque. Donc, parce que c'est pas conçu tellement à ce niveau-là. Donc, que je regarde pour voir si lui, donc, ok. Donc, il s'allume. Voilà, donc, j'ai bien transféré les informations L0 vers L1, le circuit esclave. Il appuie sur le bouton P0. Et voilà, donc L1 est à l'état 0, L0 est à l'état 0. Donc au niveau bas, tous les deux, L1 au niveau bas, L0 au niveau bas, donc état 0. Ça veut dire que le circuit maître esclave, et bien tous les deux bloqués, c'est-à-dire à l'état 0. Donc Q bar se trouve à l'état 1 dans ce cas-là, dans les deux bascules, dans les deux bascules RS si vous préférez. Donc Q bar se trouve à 1 automatiquement. Si on a 0 ici, L1, donc Q bar, on a donc 1. À l'inverse, ici, Q bar, nous avons donc, Q bar, nous avons 0, excusez-moi, et Q bar, ici, nous avons 1, ici, puisque nous avons 0 aussi à Q, hein, voilà. Donc, c'est pas facile à comprendre, hein, ça je dois dire. Donc, là, donc, la partie maître, je vais transférer à la partie esclave en appuyant sur le bouton de commande. Voilà, donc ça, donc, décidément, aujourd'hui, il est fait pour m'embêter. Donc, je regarde, donc, si l'interrupteur ne s'allume pas, je pense que c'est ce fil-là, parce que il a cassé une patte par accidentellement, donc involontaire, bien sûr, de ma part. Et pourtant, je fais attention, mais bon, de toute façon, vous connaissez donc les branchements. Donc je vais commander donc d'autres circuits intégrés. Ça, c'est pas bien grave. Donc,
Donc SW0, d'accord. Donc je regarde, donc ne s'allume pas, donc enfin ne s'éteint pas, je veux dire. Donc on regarde ici. Donc voilà, donc je recommence. Donc on met donc SW0 de la position 0 vers la position 1. La LED L0 s'allume. En appuyant sur P0, on transfère les informations sur L1. Je ferme l'interrupteur, donc le levier vers le bas, de la position 1 vers la position 0, et L0 s'éteint. C'est le circuit maître. Donc le circuit maître est verrouillé. Vu que le circuit maître est verrouillé, je vais quand même transférer le 0, c'est-à-dire L0 à L1. Je vais le transférer et la LED N1 est éteinte. Voilà. Et je mets toujours sur la position 1 pour activer le circuit maître. Pour activer donc le circuit maître, à savoir L0. Et maintenant donc faut que j'éteins, donc parce qu'il faut que je refasse donc l'amorçage du circuit. Donc je regarde, voilà, donc ok, donc maintenant donc je transfère, j'éteins mon interrupteur de la position 1, je vais vers la position 0 avec l'interrupteur SW0 et L1 est allumé. Donc le circuit esclave, c'est la sortie, hein. Donc je répète bien que c'est la sortie esclave. L1. Donc maintenant j'appuie donc sur le bouton P0 et L1 est éteinte. L0 est éteinte automatiquement. Voilà, donc cette pratique étant terminée, je vais refaire une deuxième fois. Donc le circuit maître est alimenté, enfin on a transmis donc les informations donc du SW0 position 0 vers la position 1, on a transmis directement dans le circuit maître et on va le transmettre directement dans le circuit esclave. Donc j'éteins à condition que je regarde, parce que quand je reste trop longtemps, voilà. Donc ok, donc je reviens à cette position là voilà, donc L1, quand j'appuie sur P0, je transfère le 0, voilà. Donc la LED L1 est éteinte, hein, c'est à dire que lorsque SW0 se trouve à l'état 0, c'est systématiquement le circuit maître. Ici, on va transférer l'état 0 sur le circuit esclave. Et là, donc, on va se retrouver L1, 0. Voilà, donc les deux LED sont donc à l'état 0. Ça veut dire que les deux bascules RSC sont à l'état 0. Voilà. Et Q-bar donc se trouve automatiquement à l'état 1, mais là vous ne pourrez pas le voir puisque les Q-bar, je ne les ai pas branchés justement pour ne pas se tromper. Voilà, voilà, donc je recommence. Donc la partie, donc c'est la partie, comment dire, N0 donc était bien donc O, donc maître, donc on transfère à l'esclave à condition qu'il n'y a pas de problème. Bon, voilà, donc je regarde, donc là j'étais un peu trop vite, donc faut que je regarde parce que c'est ce fil là qui doit m'embêter. Je regarde, oui, c'est bien cela. Voilà, donc je transfère L1. Donc de L0, donc la partie 1, donc à l'état 1, je transfère vers L1, donc la LED L1 s'allume. L0 maintenant, elle s'éteint puisque j'ai mis l'interrupteur SW0 sur la position 0 et L1
Et là, maintenant, j'appuie sur le bouton P1 pour transmettre l'information 0, la logique 0. Elle doit être transférée. Donc, elle doit éteindre la LED. L1. Voilà. Donc, L1 est éteint. Voilà. Donc, cette pratique étant terminée, de toute façon, je vous renvoie à la théorie de cette pratique-là. C'est la cinquième pratique. Je vous envoie la cinquième pratique. Bon, j'étais un peu long, mais j'étais obligé de vous expliquer à peu près correctement. Mais je dois dire que c'est pas tellement évident, hein. C'est pourquoi que certains de mes confrères ne vous expliquera pas jusqu'au bout, ou ils ne vous expliqueront pas jusqu'au bout de la bascule R, enfin de la bascule, enfin des deux bascules RSC, parce que là vous en avez deux, hein. Vous avez deux bascules RSC. R, je répète, c'est reset, c'est 7, C c'est commande, et là c'est pareil, donc les deux bascules RS, hein, donc ça c'est donc la bascule RS tout simplement, et celui-là donc une commande qui permet de commander donc la bascule RS, c'est pourquoi qu'on dit la bascule RSC, voilà, et bien sûr les deux inverseurs pour intervertir comment dire, inverser les logiques des codes binaires, si vous préférez, pour ne pas que ça soit exactement les mêmes, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà donc le principe. Donc rappelez-vous que l'esclave est séparé du maître. Donc c'est pourquoi que nous avons mis deux inverseurs. Hein, voilà, ça sert à ça. Voilà. Donc cette pratique étant terminée, je vous renvoie donc, là c'est la pratique 5, donc cette pratique 5 étant terminée, je vous renvoie à la théorie 5 correspondante à cette pratique. Voilà, je vous remercie de votre écoute et excusez-moi si j'étais un peu long. Parce que, il fallait bien expliquer la leçon quand même de A jusqu'à Z. Voilà. Bon, donc je vous dis à bientôt et je vous renvoie à la théorie directement. Bascule D dans la configuration maître-esclave, bascule JK. 5. Deuxième expérience. Examen d'une bascule D dans la configuration maître-esclave. Avec cette manipulation, vous allez vérifier le fonctionnement d'une bascule D dans la configuration maître-esclave. Dans une expérience précédente, vous avez déjà eu l'occasion d'examiner le circuit intégré MM74. Ces 74 contenant deux bascules D, vous apprendrez à mieux connaître le fonctionnement de ce circuit en réunissant quelques-uns des points acquis des expériences précédentes. 5.1. Réalisation du circuit. A. Débrancher l'alimentation et enlever de la matrice le circuit intégré, ôter du groupe de connecteurs toutes les liaisons relatives à la dernière expérience. B. Introduisez sur la matrice de circuit intégré MM74C00 contenant 4 circuits N1 chacun et un circuit intégré MM74C04 contenant 6 inverseurs dans les positions indiquées sur la figure 16A. C. Effectuez les raccordements décrits par la figure 16A en utilisant comme de coutume les morceaux de fil étamé isolés récupérés lors des expériences précédentes ou coupés à la bonne longueur dans le toron que vous avez en votre possession. D. Mettez l'interrupteur SW0 sur la position 0. Le schéma électrique du circuit que vous venez de réaliser est représenté par la figure 16B. Comme vous pouvez l'observer, le circuit se compose de deux bascules RSC.
du type que vous avez déjà examiné dans la pratique précédente, reliées l'une à la suite de l'autre. Le signal front montant fourni par le bouton P0 est appliqué directement à l'entrée de la deuxième bascule et à travers un inverseur à l'entrée de la première. Un deuxième inverseur, relié à l'entrée R de la première bascule, permet d'inverser les niveaux logiques appliqués aux entrées S et R au moyen de l'interrupteur SW0. Notez que la première bascule est appelée maître, tandis que la seconde est appelée esclave. On a choisi ces termes pour mettre en évidence le fait que la deuxième bascule est asservie à la première, comme vous le verrez au cours de cette manipulation. 5.2. Essai de fonctionnement. A. Brancher l'alimentation. Vous observez que la LED L0, reliée à la sortie de la bascule maître, est éteinte, indiquant que cette sortie est à l'état L. La LED L1, reliée à la sortie de la bascule esclave, est soit allumée, soit éteinte, selon l'état du circuit à la mise sous tension. Ceci n'est pas prévisible et dépend des caractéristiques physiques du circuit intégré. B. Commuter l'interrupteur SW0 plusieurs fois de suite. Vous constatez que la sortie de la bascule maître suit l'état de l'entrée, se portant à l'état H, L0 allumé, ou à l'état L, L0 éteinte, lorsque l'interrupteur SW0 est commuté respectivement sur la position 1, entrée du circuit à l'état H, ou sur la position 0, entrée du circuit à l'état L. Par contre, la LED L1 ne signale aucun changement d'état en sortie de la bascule esclave. Avec cet essai, vous vous êtes assuré que la bascule maître est sensible au niveau du signal d'entrée quand l'entrée C du circuit est à l'état L, tandis que la bascule esclave y est insensible. C. Mettez à présent l'interrupteur SW0 sur la position 1 de manière à allumer L0. D. Appuyez sur le bouton P0 et maintenez-le dans cette position, appliquant ainsi à l'entrée de commande C du circuit un niveau H. Vous observez qu'elle s'allume ou reste allumée si elle l'était déjà. Ceci indique que l'état, en sortie du maître, s'est transféré à la sortie de l'esclave. E. Gardant P0 toujours enfoncé, commutez plusieurs fois l'interrupteur SW0. Vous observez que L0 reste allumé, signe que le maître ne change pas d'état et qu'il est donc insensible aux variations du niveau de l'entrée. De même, en observant L1, vous constatez que l'esclave, également, ne change pas d'état. F. Relâchez le bouton P0 et commutez à plusieurs reprises l'interrupteur SW0. Cette fois, vous constatez que L0 s'allume et s'éteint chaque fois que vous agissez sur SW0. Cela indique que la sortie du maître suit à nouveau les changements de niveau de l'entrée. Par contre, L1 reste constamment allumé, indiquant que la sortie de l'esclave ne change pas d'état. G. Mettez l'interrupteur SW0 sur la position 0, de manière que L0 s'éteigne. H. Appuyez et maintenez P0 dans cette position, L1 s'éteint. I. Relâchez le bouton P0, L1 reste éteinte. Avec cet essai, vous avez vérifié par la pratique le fonctionnement du circuit maître-esclave qui peut être résumé ainsi. Lorsque l'entrée de commande C est à l'état L, le maître reproduit en sortie l'état logique présent sur l'entrée. L'esclave est par contre isolé du maître et il est donc insensible à toute variation d'état se manifestant sur l'entrée.
Lorsque l'entrée de commande C passe à l'état H, le maître est isolé de l'entrée et sa sortie devient indépendante de l'état de l'entrée et l'état présent à la sortie du maître est transféré à la sortie de l'esclave. Nous pouvons donc conclure que dans une bascule de type maître-esclave, le transfert des états logiques des bornes d'entrée aux bornes de sortie se fait en deux temps. Le temps pour réaliser ce transfert est égal à la durée d'une impulsion d'horloge, qui peut être de l'ordre de une microseconde ou même moins dans les circuits couramment employés. Lorsque l'impulsion d'horloge, entrée C, passe de H à L, la donnée présente à l'entrée est transférée au maître et il n'y a aucun changement à la sortie de la bascule, c'est-à-dire de l'esclave. Au moment de la transition de L à H, de l'impulsion d'horloge, la donnée présente à la sortie du maître est transférée à l'esclave, donc à la sortie de la bascule. 6. Troisième expérience, examen d'une bascule JK. La bascule JK maître-esclave, comme vous allez le voir au cours de cette manipulation, est le type de bascule d'emploi le plus souple parmi toutes celles que vous aurez à examiner. Pour cette manipulation, vous utiliserez le circuit intégré CD4027 ou type équivalent, contenant deux bascules JK maître-esclave, dont les entrées et les sorties sont raccordées aux broches selon le schéma de la figure 17. Les deux bascules sont identiques et comme vous pouvez le remarquer, chacune de ces bascules a cinq entrées. Deux entrées principales J et K. Une entrée d'horloge cloque. Deux entrées auxiliaires 7 et RI7. Les fonctions de ces entrées seront vérifiées directement par la manipulation qui va suivre. Les sorties de chaque bascule sont au nombre de 2, Q et Q bar, et elles sont complémentaires l'une de l'autre. 6.1. Réalisation du circuit. A. Débrancher l'alimentation et enlever de la matrice et du groupe de connecteurs tous les circuits intégrés et les liaisons relatives à l'expérience précédente. B. Introduisez le circuit CD4027 sur la matrice dans la position indiquée par la figure 18A et effectuez les raccordements reportés dans cette même figure. Le schéma électrique du circuit réalisé est représenté par la figure 18B. Comme vous pouvez l'observer, les entrées J2 et K2 sont reliées respectivement à SW0 et SW1, tandis que les entrées 7-2 et RI7-2 sont reliées à SW2 et SW3. Les sorties Q2 et Q bar 2 sont reliées aux LED L0 et L1. Comme nous l'avons déjà dit, les deux bascules constituant le circuit intégré sont parfaitement identiques. L'essai de fonctionnement est limité à une seule d'entre elles, donc toutes les broches de la 9e à la 15e sont laissées libres. 6.2. Contrôle de fonctionnement. A. Alimenter le circuit. Une des deux LED L0 et L1 s'allume. Il n'est pas possible de prévoir laquelle des deux s'allumera parce que cela dépend des caractéristiques physiques du circuit intégré. B. Commuter l'interrupteur SW2 sur la position 1, mettant ainsi l'entrée 7-2 à l'état H. La LED L0, reliée à la sortie Q2, s'allume ou reste allumée. Vous observez que la LED L0 s'éteint, tandis que la LED L1, reliée à la sortie Q bar 2, s'allume. Contrôle de fonctionnement. A. Alimenter le circuit. Une des deux LED L0 et L1 s'allume. Il n'est pas possible de prévoir laquelle des deux s'allumera parce que cela dépend des caractéristiques physiques du circuit intégré.
B. Commuter l'interrupteur SW2 sur la position 1, mettant ainsi l'entrée 7-2 à l'état H. La LED L0, reliée à la sortie Q2, s'allume ou reste allumée. Vous observez que la LED L0 s'éteint, tandis que la LED L1, reliée à la sortie Q bar 2, s'allume. D. Commuter plusieurs fois les interrupteurs SW2 et SW3 en prenant soin cependant de ne jamais les mettre tous les deux sur la position 1. Vous remarquez que chaque fois que l'interrupteur SW2 est sur la position 1, 7-2 au niveau H, la sortie Q2 passe également au niveau H, tandis que Q bar 2 se porte au niveau L. Au contraire, quand SW3 est sur la position 1, reset 2 au niveau H, la sortie Q2 passe au niveau L et Q bar 2 au niveau H. E. Mettez SW2 sur la position 1, 7-2 à l'état H et SW3 sur la position 0, reset 2 à l'état L, de manière à ce que L0 s'allume, puis actionnez autant de fois que vous voulez les interrupteurs SW0, entrée J2, SW1, entrée K2, ainsi que le bouton P0, entrée cloque 2. Vous constatez que l'état des sorties Q2 et Q bar 2 ne varie pas, ce qui indique que les changements d'état des entrées JK et cloque ne déterminent aucun basculement de l'état des sorties. F. Après avoir commuté SW2 sur la position 0, 7-2 à l'état L et SW3 sur la position 1, reset 2 à l'état H, pour que L1 s'allume, refaites l'essai précédent en actionnant plusieurs fois SW0, SW1 et P0. Vous observez que dans ce cas également, les entrées JK et cloque ne provoque pas de changement de l'état des sorties. Avec ces essais, vous avez pu constater que les entrées 7 et reset forcent la bascule dans l'un de ces deux états possibles indépendamment des autres entrées. G. Mettez les deux interrupteurs SW2 et SW3 sur la position 1. Dans ce cas, les LED L0 et L1 s'allument toutes les deux, cependant cette condition n'est généralement ni utile ni recommandable. H. Commuter simultanément SW2 et SW3 sur la position 0. La bascule se portera à un état qui dépendra de celle des deux entrées 7 et reset, qui est restée en dernier sur la position 1. I. Mettez la bascule à l'état 0, de sorte que L0 soit éteinte et L1 allumée. Mettez SW3 un instant sur la position 1, puis replacez-le à nouveau sur la position 0. J, laissant SW2 et SW3 sur la position 0, commutez aussi SW0 et SW1 sur la position 0. Vous appliquez ainsi l'état L aux deux entrées J2 et K2. Appuyez et relâchez ensuite le bouton P0. Vous observez que la bascule reste à l'état 0, LED L0 éteinte. K, mettez SW0 sur la position 1, J2, à l'état H, laissez SW1 sur la position 0, K2 à l'état L, et appuyez sur le bouton P0. Vous observez que L0 s'allume tandis que L1 s'éteint. L, relâchez P0, L0 reste allumé. M, mettez SW0 sur la position 0, J2 à l'état L et SW1 sur la position 1, K2 à l'état H. Enfoncez puis relâchez le bouton P0.
Vous constatez que L0 s'éteint tandis que L1 s'allume. N, commutez maintenant SW0 sur la position 1. De cette manière, J2 et K2 se trouvent au niveau H. O, appuyez SUP0. L0 s'allume, L1 s'éteint. P, relâchez puis appuyez de nouveau sur P0. L0 s'éteint et L1 s'allume. En continuant à enfoncer et relâcher P0, vous constatez chaque fois un changement d'état en sortie. On peut donc conclure que lorsque les entrées J et K sont toutes les deux au niveau H, la bascule change d'état chaque fois qu'une impulsion positive se présente sur l'entrée clock, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une transition du niveau L au niveau H. Les résultats des essais réalisés sont indiqués dans la figure 19, où est reportée la table de fonctionnement de la bascule en question. Rappelez-vous que dans cette table, le symbole X signifie état indifférent, tandis que la flèche avec la pointe orientée vers le haut représente une transition du signal d'horloge du niveau L vers le niveau H. Les lettres S et R indiquent respectivement les entrées 7 et R7. En conclusion, le fonctionnement de la bascule JK maître-esclave peut se résumer ainsi. Les deux entrées 7 et R7 doivent être au niveau L pour obtenir le fonctionnement normal de la bascule avec le signal d'horloge. Si l'entrée J et l'entrée K sont toutes les deux à l'état L, il ne se produit aucun changement d'état à la sortie quand une transition positive se présente sur l'entrée clock. Si l'entrée J est à l'état H et l'entrée K à l'état L, la bascule passe ou reste si elle y est déjà à l'état 1, sortie Q au niveau H et sortie Q bar au niveau L quand une transition positive est appliquée sur l'entrée clock. Si l'entrée J est à l'état L et l'entrée K à l'état H, la bascule passe ou reste si elle y est déjà à l'état 0, sortie Q au niveau L et sortie Q bar au niveau H quand une transition positive est appliquée sur l'entrée clock. Si l'entrée J et l'entrée K sont toutes les deux à l'état H, la bascule change d'état chaque fois qu'une transition positive de niveau est appliquée sur l'entrée clock. Dans ce cas, on dit que la bascule fonctionne en mode T, toggle. Ce mode de fonctionnement est à la base de beaucoup de types de systèmes électroniques de comptage, comme vous le verrez par la suite. Si l'entrée 7 est au niveau H et l'entrée R7 au niveau L, la bascule passe immédiatement à l'état 1, Q au niveau H et Q bar au niveau L sans qu'une impulsion positive d'horloge soit nécessaire. Si l'entrée R7 est au niveau H et l'entrée 7 au niveau L, la bascule passe immédiatement à l'état 0, Q au niveau L et Q bar au niveau H sans qu'une impulsion positive d'horloge soit nécessaire. Si les entrées 7 et R7 sont toutes les deux au niveau H, les deux sorties Q et Q bar passent immédiatement à l'état 1. Cette condition doit cependant être évitée. Pour un fonctionnement normal de la bascule, le signal d'horloge doit être exempt de parasites et caractérisé par un temps de transition du niveau L au niveau H inférieur à 5 microsecondes, comme par exemple celui obtenu en agissant sur le bouton P0, contact P0 front montant sur le groupe de connecteurs. Le fonctionnement décrit ci-dessus, relatif au circuit intégré examiné, est aussi celui de n'importe quelle bascule de type JK. Cependant, il se peut que les entrées 7 et R7, au lieu d'être actives au niveau H, le soient au niveau L. Cela signifie que ces deux entrées doivent être maintenues au niveau H pour un fonctionnement de la bascule avec le signal d'horloge. Par contre, lorsqu'on veut positionner la bascule indépendamment du signal d'horloge,
L'entrée 7 ou l'entrée Ricette doivent être portées au niveau L. Dans ce cas, un petit cercle, signe d'inversion, est placé sur les deux entrées 7 et Ricette dans le schéma représentant la bascule. Il existe aussi des bascules nécessitant une transition négative d'horloge, c'est-à-dire un signal allant du niveau H au niveau L. Dans ce cas également, un petit cercle est reporté sur la borne d'entrée clock dans le schéma. Il indique que l'entrée clock est active avec une transition négative du signal d'horloge. La bascule JK est certainement plus souple d'emploi que la bascule D et présente par rapport à cette dernière quelques caractéristiques qui la rendent irremplaçable dans certaines applications. Dans les autres cas, la bascule D est souvent préférée car ayant une seule entrée D, son emploi réduit la complexité des systèmes. De plus, cette bascule D a l'avantage d'être un peu plus économique et de consommer moins d'énergie que la bascule JK. Merci de votre écoute. À bientôt.